Won't you give me time? Don't wanna choose that. Somebody give me time. Don't wanna choose that.
from the trees and grew tall, and they started talking, and the stars fell out of the sky, and my tears rolled into the ocean, and now I'm looking for a reason why. You even set my world into motion, 'cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I'm filled to the top of fear that it's all just a bunch of matter. Salut tout le monde, on s'est délocalisé au Pays Basque espagnol. Bienvenue à San Sebastián et à la Reale Arena. Pour être précis, aux commentaires, Benjamin da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar da Fonseca. Et au menu, cette rencontre de Division Rivals à partager ensemble. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. Cette équipe joue un football vivifiant, tonique, effervescent. On trépigne en attendant ce match. Gabriel Jesus. Et c'est pour Alexander Arnold. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Allez, devant le but, il faut frapper. Et le but ! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. 1-0, donc au tableau d'affichage. Bonne intervention, la passe est interceptée. Avec Dimitri Payet maintenant. Gabriel Jesus. Allez, cette passe, elle est bien vue. Ah, il faut lui proposer des solutions. Et voilà une bonne intervention pour envoyer le ballon en corner. Modric, c'est parti. Le ballon pour Hakim Ziyech. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ah, c'est bien vu, la passe de Payet. Attention à cette frappe. Et oui, le nouveau but. Pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà à égalité. Tout est à refaire. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Le ballon pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus avec le ballon. En très bonne position. Oh, la bonne parade. Alexander Arnold. Isco. Gabriel Jesus. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Lourde frappe et ça frôle le dessus de la barre.
Junya Ito. Et c'est pour Alexander Arnold. L'occasion de prendre l'avantage. Quelle intervention absolument décisive. Et Rui Silva, quel sauvetage. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Gabriel Jesus. Ben oui, Gabriel Jesus dans la profondeur. Intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Ah, c'est pour Alexander Arnold. Et c'est Isco qui reçoit le ballon. Ballon pour Gabriel Jesus. Ah, Jesus monte. Et l'arbitre siffle la faute. Coup franc dangereux à venir. Le ballon vient caresser le montant sur ce coup franc. On a même cru imaginer. Oh, elle est pas bonne cette relance. Le ballon pour Gabriel Jesus. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte après l'égalisation. C'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. En point de position pour égaliser. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Oui, ce ballon est intercepté. Ça joue avec Jean-Pierre Papin. Payet. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! Encore un but dans ce match très ouvert. Le spectacle est grandiose et il reste encore des minutes à jouer. Gabriel Jesus. Le ballon repasse par Gabriel Jesus. Oh, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Oh, derrière, le sauvetage. Ah là là, la mauvaise passe. Isco. Centre vers Gabriel Jesus. Ah non, ça s'arrête là. Alexander Arnold. Alexander Arnold avec le ballon. Ah, il peut conclure. Ouh, c'est contré, in extremis. Jean-Pierre Papin. Junya Ito. Alexander Arnold avec le ballon. Très bon geste défensif. C'était risqué. Ah, dommage, le geste technique n'est pas réussi. Beaucoup trop de précipitation dans ce geste subtil. Ce ballon piqué est complètement manqué. Isco. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Le ballon pour Hakim Ziyech. Oh, la faute dans la surface et pénalty. Grosse opportunité de prendre l'avantage. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Quel exploit du gardien sur ce pénalty! Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps.
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Hakim Ziyech. Là, une frappe, le public attend ça. Ouais, bien défendu, sans faute. Et le ballon est finalement intercepté. Le ballon pour Hakim Ziyech. En bonne position pour frapper. Et ça rentre, but! On pense qu'être un buteur, c'est courir vite, mais non! C'est d'abord être toujours au bon endroit quand il le faut. Ça, c'est un but grâce au placement, pas au physique. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Gabriel Jesus. Le ballon pour Alexander Arnold. Gabriel Jesus. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et ça joue sur Ziyech. Hakim Ziyech dans la surface. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Oui, le bon geste défensif. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ouais, il y a de l'espace dans ce couloir. Et attention, ça peut payer là-dessus. Quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Ce coup de pied arrêté et joué court. Et c'est Isco qui reçoit le ballon. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le ballon sort en touche. Avec Dimitri Payet maintenant. Et le gardien se déploie bien sur ce ballon. Allez, changement donc. C'est joué par Alexander Arnold. La récupération haute, le pressing est payant. Ouais, c'est contré, bonne défense. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! D'émotion dans ce match, un nouveau rebondissement, le scénario est vraiment fou, on se régale. L'arbitre laisse l'avantage. Laurent Bayer en seul ballon. Ah, il faut lui proposer des solutions. Gabriel Jesus. Quand on s'appelle Gabriel et Jésus, en même temps, on est forcément béni. Ouais, ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et ça joue sur Ziyech. Gabriel Jesus dans la surface. Et c'est au fond, quelle performance!
Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Le réalisateur, il remonte trop bien sur 1-2 au départ de l'action. Et c'est vrai que c'est de là que tout commence. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but, le score est phénoménal. 5-3. Ouais, pas bien joué, mal défendu. Faute, l'arbitre donne le coup franc. Et ça joue sur Ziyech. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Impeccable cette intervention. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. À une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Et c'est un penalty, l'occasion rêvée de se relancer dans cette fin de match. C'est donc un carton jaune pour cette faute. Il y a déjà un penalty. Ça me semble une bonne décision. Elle n'a pas raté, le ballon est toujours en jeu. Et au final, ça ne donne rien. Gabriel Jesus. Et non, hors jeu, de rien du tout. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Ballon vers Payet. Allez, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Gabriel Jesus avec le ballon. Lovren Maier en seul ballon. Bon, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Et la tentative de lob. Oh oui, c'est magnifique. Oh, touché, quel beau but. Tout en technique. 6-3, ça fait donc 9 buts dans cette rencontre. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Ah, c'est bien vu, la passe de Payet. Attention à cette frappe. Et oui, le nouveau but. Pas le temps de respirer dans cette rencontre. Nous voilà égaux.
Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et au programme du jour, ce grand match de Division Rivals. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est... Occasion avec cette frappe. Ouais, l'envolée de frappe. Eh oui, c'est joué en deux temps. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Pas assez de concentration sur cette passe. Le ballon pour Isco. Attention, c'est dangereux. Ouais, le gardien boxe ce ballon. Et ça fait donc corner. Modric, c'est parti. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Modric. Gabriel Jesus dans la surface. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. 1-0 donc au tableau d'affichage. Eh ben le récupérer sur cette bonne intervention. Et ça joue sur Gabi. Gabi. Ouais, ça joue avec Robert Lewandowski. Lorenzo Insigne. Ah, dommage, ballon perdu. Hakim Ziyech. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Et la perte de balle de Robert Lewandowski. Isco.
Le ballon pour Hakim Ziyech. Et il vient repiquer vers le but. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et l'équipe récupère le ballon. Le ballon pour Lewandowski. Et le ballon part bien. Quelle intervention, elle est hyper importante. Isco. La projection dans le camp de l'adversaire. Ziyech. Attention, ce n'est pas fini. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. Allez, deuxième but. Et un peu d'espace sur le côté. Et le centre est détourné par la défense. Et la frappe, attention. Oui, bien défendu. Alexander Arnold avec le ballon. Le centre vers la surface de réparation. Et la bonne tête, mais ça passe juste au-dessus. Gabi. Martin Odegaard. Insigne qui avance. Gabi avec le ballon. Le ballon sur Lewandowski. Ah, il est bien placé, Lewandowski. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. C'est confirmé, le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Oui, mais il faut aussi être capable de bien défendre et de récupérer le ballon. Très bon timing sur cette interception. Ramos. Hakim Ziyech. La balle pour Ziyech. Le ballon en touche. Et il remporte son duel, bien défendu. Insigne. Insigne avec le ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et ça joue vers Lorenzo Insigne. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. Payet cherche un partenaire. Et non, ça s'arrête là. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Qu'est-ce que c'est mal donné ? Lorenzo Insigne. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Et ça joue sur Gabi. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. L'ABC du football. Le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Et c'est pour Alexander Arnold. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah,
Avantage, l'arbitre laisse jouer. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Bien défendu, mais le ballon revient. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté et là, tu déclenches la foule. Et c'est bon. Il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Oui, bien fait, il est passé. Ouh, le réflexe de Rui Silva. Alexander Arnold. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, c'est pour Alexander Arnold. Ah, le centre, évidemment, en direction de ses partenaires. Tout est allé très vite sur cette action. Malheureusement, la finition est catastrophique. La transition offensive était très bien réussie. C'est le dernier geste qui a laissé encore à désirer. Dimitri Payet. Ah, ça joue avec Robert Lewandowski. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Avec un peu d'espace sur les côtés. Ah, il peut prendre sa chance. Super l'intervention. Llamada para Juan José Galera. Juan José Galera. Tu hermano Matías acaba de encontrar tu móvil. Ballon vers Payet. Vuelve a tu asiento para recuperar. Payet cherche un partenaire. Ah, le danger est écarté. Et ça passe par Lewandowski. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ah, le contre est possible. Et la défense peine à revenir. Ah, il y a la place pour une frappe. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Gabriel Jesus avec le ballon. La frappe contrée sans souci. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et les voilà en possession du ballon. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et c'est Isco qui reçoit le ballon. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Avec Dimitri Payet maintenant. Attention là, Dimitri Payet. Ah, le tir, le but est vide. Et voilà le but. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Oh, l'occasion de revenir. Oh, le but qui est ramené à une petite longueur. 1-2 et 3 dans la course. L'une d'eux, c'est un dialogue réussi entre deux coéquipiers. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Et le staff décide donc de faire un changement. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface.
Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Ouais, c'est une transmission interceptée. 5 minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Tacle dans la surface, c'est très bien défendu. Le ballon qui est récupéré dans une ambiance de folie. Le public croit à la égalisation et il le fait comprendre à son équipe. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Luis Diaz reçoit le ballon. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Et ça joue sur Martino de Garde. Occasion avec cette frappe. Attention à ce ballon qui traîne. À la défense s'en sort bien sur l'action. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty. Ça grogne. Attaque parfaite et en prime, le ballon est récupéré. Ce sont les derniers efforts pour remonter au... Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visiteuse. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup des choses sur la difficulté de ce match.
Bonjour à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. On a rendez-vous aujourd'hui avec la Division Rivals et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. Et oui, on est là pour s'aimer le football et cueillir les émotions. Vamos! Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et bien placé Dembélé. Quel geste! Voilà la compo officielle pour cette équipe. Dans le but, on retrouve Keylor Navas. Kimpembe avec Jules Koundé au centre de la défense. Hakim Ziyech sera associé à Kimmich au milieu de terrain. Enfin, Harry Kane pour occuper l'attaque avec Richarlison. Tenter sa chance. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et finalement, c'est un hors-jeu à quelques centimètres près. Et on en profite pour parler d'un joueur qui monopolise tout le temps l'attention d'une défense. C'est un grand buteur, il est anglais, c'est Harry Kane. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité. Oh, le tir! Et la parade de Navas, incroyable! Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouais, ça n'ira pas plus loin. Leonardo Bonucci. Isco. Luka Modric avec le ballon. Bien défendu, le ballon est récupéré. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et c'est dedans, pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ballon pour retrouver la possession. Isco. Oh, la frappe et un arrêt qui fait du bien. Modric tire le corner. Et voilà un coup de tête inoffensif, marquage très efficace. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. La conduite de balle de Dembélé. Ah, le ballon est rendu. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus avec le ballon. Et le tir part bien. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Le corner de Luka Modric.
Kane. Le ballon change de pied. Magnifique, quelle passe! Et la parade de Navas, incroyable! C'est un arrêt très important parce qu'il maintient l'équipe en vie à un petit but de l'égalisation. Regardez, regardez! Mais oui, le but! La cage était vide, trop facile, et donc le but! Ah, le score de Paris est donc un partout. Hakim Ziyech. La passe pour Richarlison. Excellent timing sur cette interception. Bien donné ce ballon. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Kimpembe. Ballon pour Jules Koundé. Presnel Kimpembe. Joshua Kimmich. Et ce ballon qui est perdu. Elle est merveilleuse cette passe. Attention, grosse occasion. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ah, c'est pour Richarlison. Et à nouveau pour Richarlison. En direction de Dembélé. Ça joue, avantage. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Et ça joue dans un petit périmètre. Kimpembe à la réception. Ouais, c'est contré, bonne défense. Attention là, Harry Kane. Oh, c'est dedans, but. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Hakim Ziyech. Isco. Le ballon pour Gabriel Jesus. Passe à l'adversaire. Ça, c'est pas bon du tout. Et ça peut être dangereux. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. L'équipe tente une combinaison. Ballon pour égaliser. Ouais, l'intervention vitale. Joshua Kimmich. Le ballon vers Mendy. Kimmich. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Le ballon finit dans leurs pieds. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps.
L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Le ballon pour Isco. Le tir peut-être pour égaliser. Mais quelle occasion énorme d'égaliser. Quel gâchis. Qu'est-ce que c'est frustrant hein, de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Et oui, parfois ça arrive. On le voit sur ce tableau, tu fais tout bien, mais tu perds. C'est un match très frustrant. La Russie t'a choisi le camp de l'adversaire aujourd'hui. Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. La goal line donc va intervenir, comme souvent en dernier recours, pour vérifier la trajectoire du match. C'était pas très sûr sur le direct, mais évidemment, le ballon a franchi la ligne. Le but est logiquement à deux. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Ah, il est passé sur ce bon geste. Alexander Arnold avec le ballon. Ibrahimovic. Ibra avec le ballon. Très bonne intervention. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Là, il faut redescendre, là il faut s'activer. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement derrière le ballon est perdu. Gabriel Jesus avec le ballon. Ben oui, Gabriel Jesus dans la profondeur. Le ballon pour Gabriel Jesus. Et c'est le but ! Et oui, voilà ! Plus qu'un but de retard maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et c'est une remise en jeu à venir. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, c'est bien parti. Oh là là, c'est incroyable. Deux buts coup sur coup. Ils reviennent à égalité. Et ce n'est pas terminé. Quel match formidable. Tic, tic, tic. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. Et voilà la punition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Bonne séquence de possession, le ballon circule bien. Et ballon perdu, ça repart dans l'autre sens du coup. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Gabriel Jesus. Ah, le contre est possible. Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Et le match peut basculer. Oh là là, bon basso. Incroyable, fou, délirant, exceptionnel. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite.
pour finir un ballon à quelques mètres du but. Il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et avec ce but, le score est donc de 4 à 3. Il n'y a aucune pression et pourtant le dribble n'est pas réussi. Sous pression. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. Le ballon pour Isco. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but. Mais quel réalisme! On revoit ce but plein d'opportunisme. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. Et avec ce but, le score est phénoménal. 5-3. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Ça passe pour Richarlison. Frappe puissante, mais ça passe loin du but. La spontanéité, c'est bien. Il faut aussi de l'efficacité. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Number 16, Daley Blin. Gabriel Jesus. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ouais, le ballon leur échappe. Ousmane Dembélé avec le ballon. Avec Richarlison. Ouais, bonne récupération du ballon. Gabriel Jesus. Ah, il peut prendre sa chance. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, réalisme. Tout leur sourit. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Blin. Alexander Arnold. À l'occasion, peut-être ici. Aucun problème pour se saisir du ballon. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Crépin Diata. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Isco. La passe en profondeur. Le ballon pour Gabriel Jesus. Oh, il peut frapper là, Gabriel Jesus. Intervention du gardien. Et le staff décide donc de faire un changement. En deux temps, et ça joue vers Modric. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Quel match. C'est un véritable festival de buts auquel on assiste aujourd'hui. Kimmich. Fernand Mendy à la réception. Attention, la Diata. Et voilà ce but. Un but en fin de match. C'est déjà ça, mais au point où on en... La fin, ça y est, de cette rencontre. Et une belle opération, évidemment, avec cette victoire à l'extérieur.
Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Était vide, trop facile, et donc le but. Oui, c'est contré, bonne défense. Attention là, Harry Kane. Ah, c'est dedans, but. Goal. Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. Le ballon pour Gabriel Jesus. Et c'est le but! Et oui, voilà! Plus qu'un but de retard maintenant. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, c'est bien parti! Oh là là, c'est incroyable! Deux buts coup sur coup, ils reviennent à égalité. Et ce n'est pas terminé. Quel match! Et un peu lent le repli défensif sur ce contre. Et le match peut basculer. Voilà là, bon passo, incroyable, fou, délireux, exceptionnel.
Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver au Pays Basque espagnol à la Reale Arena de San Sebastián pour être tout à fait précis. Dans la cabine donc de commentateur à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca et la montée. Voilà l'enjeu de cette rencontre aujourd'hui et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en fait. Au bout de ce match, il y a la possibilité de monter, mais pour ça, il faut une victoire et le plus difficile parfois, c'est de terminer en beauté. C'est pour Alexander Arnold. La bonne lecture pour stopper cette offensive. La prise d'information pour amorcer une attaque. La frappe est bien contrée. Voilà la composition officielle de cette équipe avec dans le but Lev Yashin, Ricardo Carvalho avec Marcel Desailly en défense centrale. Et Jorginho sera épaulé par Mateus Nunes au milieu et enfin ce duo en attaque. Le ballon sort en touche. Le ballon pour Sterling. Quelle intervention absolument décisive. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Gabriel Jesus. Oh, le but, ouh, il est important. Important pour accéder à la division supérieure. Et oui, ça y est, il n'y a pas d'âge pour rêver. Et quand tu rêves, quand tu travailles, tu peux y arriver. Regardez-moi ça. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et le ballon est finalement intercepté. L'offensive déclenchée par les Dream Destroyers. La passe filtrée de Gabriel Jesus.
à la tête la première dans les pieds, c'est courageux comme intervention. On le sait d'ailleurs, hein, il faut un grain de folie pour jouer au but. Voilà, ce centre avec pas mal d'application. Et la défense s'en sort. À grosse pression, ballon perdu. L'attaque se poursuit, elle se développe. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Luka Modric. Darwin Núñez. Le ballon pour Sterling. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Ah, c'est pour Alexander Arnold. Bon, il peut frapper la Gabriel Jesus. Ah, le gardien qui écarte bien le danger. Gabriel Jesus avec le ballon. Gabriel Jesus dans la surface. Goal, 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 goal. Ce but qui les place en position idéale pour monter. Et ils n'en sont pas encore. Thank you.